Bon YouTube, on est dimanche et je me suis dit que dimanche, on allait faire aujourd'hui une vidéo réaction au dernier Disney. Que ce soit en termes de narration, en termes de rythme, en termes de character design, couleur, etc. Du coup, je vous propose de vous prendre une petite tisane, un petit quelque chose, juste pour profiter, vous savez, un petit peu de cette ambiance du dimanche soir avant la reprise des cours. Ça fait bien longtemps que je vais plus en cours, mais ça me manque un petit peu, donc on essaye de retranscrire un petit peu cet esprit-là dans cette vidéo. Ok, c'est parti, réaction. All right, guys, remember what we're looking for. And don't trust anyone. Ok, donc déjà, Asie... Alors, les chapeaux, ça a fait plutôt chapeau vietnamien. Alors honnêtement, j'ai très peu de connaissances dans ces sujets-là. Mais je suis d'origine vietnamienne et à mon avis, c'est plutôt des chapeaux vietnamiens. Après, les petites lanternes et les choses comme ça font un petit peu plus chinois, mais pourquoi pas. Et les couleurs me font énormément penser à Coco, que je n'ai toujours pas vu d'ailleurs, avec cette histoire de orangé, violet un petit peu. Ça fait un peu cet aspect magique. Souvent, le violet est vachement représenté dans les couleurs magiques. Donc on va voir si ça corrobore. Ok, c'était très bizarre le... J'ai cru qu'ils allaient nous mettre du dubstep. Je trouve que la scène est super dure à comprendre. Alors je sais pas si c'est moi qui vieillis et les plans sont de plus en plus rapides et complexes à suivre. Donc là, elle glisse. Déjà, on la voit pas sauter. Elle atterrit direct après. Ok. C'est sûrement moi, hein, clairement. Je sais pas si... Dites-le moi, si c'est moi qui vieillis ou si c'était un peu dur à piger. Bref. Let's catch you up. My name is Raya. Our lands have been at war for as long as... Ça c'est chouette, les décors sont vraiment beaux. En tout cas le peu qu'on a pu voir là, les trois plans à la suite. Tac, tac, tac. Du coup on est dans une espèce d'Asie, hein. On a vraiment un mélange des styles j'ai l'impression. Parce que les rizières c'est peut-être pas les trucs qu'on voit le plus en Chine. Ça me fait vraiment penser à cette histoire d'architecture un peu aztèque, vous savez, avec la pyramide, les bords sur les côtés qui font plusieurs petits étages. Et là, clairement, moi ça me fait penser au Vietnam. Ouais, vous voyez typiquement ce genre de bateau. Alors, on a sûrement aussi tout ce qui est les marchés flottants en Thaïlande. Alors, vous les avez en Thaïlande, vous les avez au Vietnam, bien évidemment. Ouais, on a vraiment ce type d'ambiance, ce type de couleur un petit peu... dans les tons bleutés. J'imagine qu'il y a aussi pas mal de pollution au Vietnam, donc ça m'étonnerait pas qu'on ait cette espèce de brume qui apparaisse avec l'espèce de perspective atmosphérique qu'on utilise, qui est malheureusement là de la pollution, mais voilà, on a l'espèce de brume, et j'imagine que c'est aussi lié à la météo, il y a un temps particulier en fait au Vietnam. Ce que je trouve intéressant par contre, c'est qu'ils sont quand même bien arrivés à retranscrire cette espèce d'ambiance un peu humide, qui est très très spécifique en fait à l'Asie du Sud-Est justement. Ce type de couleur me fait énormément penser au light artist qui a travaillé sur un monstre à Paris. Ça me fait vraiment penser à ce type d'ambiance un petit peu lever du soleil en fait, coucher de soleil d'ailleurs. Et il y a un petit aspect aussi, Ian McKay. J'aime beaucoup beaucoup le travail, même au niveau des couleurs il y a vraiment un truc je trouve. Je me demande s'il a pas travaillé dessus. Et honnêtement ça serait pas étonnant parce qu'il travaille, il a travaillé notamment pour Disney, donc ça m'étonnerait pas qu'il ait travaillé aussi. Twitter c'est un extrêmement bon réseau social si vous voulez vous tenir au courant de vos gros artistes favoris. Ok, continuons. On va super vite. J'arrive pas à suivre hein. Je vieillis vraiment je crois. Lui, clairement, il est japonais, on est d'accord. Il a la coupe de cheveux des samouraïs, avec le petit chignon au-dessus. Clairement, c'est inspiré japonais. Et puis même, son visage est japonais, clairement. Après quelques petites recherches, il semblerait qu'en fait, cette coupe de cheveux est typiquement chinoise, justement parce que les hommes chinois devaient garder leurs cheveux longs et ne pas les couper, et donc avaient tendance à se faire un petit chignon, comme ça, tout protégé par... une espèce de filet qui est appelé Wangjin. Mais quoi qu'il en soit, ça a l'air d'être plutôt chinois, bien que apparemment ce soit répandu en Corée et au Vietnam. J'avais confondu cette coupe de cheveux avec les Shonmage, cette coupe de cheveux très spécifique que portaient les samouraïs à l'époque et qui du coup démontrait leur statut social. Et il semblerait que les Shonmage soient un petit peu portés par les sumo actuellement, mais ils n'ont pas du coup le crâne rasé totalement. D'où la confusion. We'll have to watch our backs. Ok, ceux qui ont créé Moana. Alors Moana, j'ai pas été méga fan. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant par contre dans Moana, c'est qu'ils ont vraiment essayé de travailler sur le character design, les proportions notamment des personnages. Ils avaient essayé un petit peu d'amener des
types de corps, des archétypes de corps un peu différents. Cette anatomie-là s'explique assez bien parce qu'en fait, le peuple polynésien, génétiquement, a tendance à plus facilement prendre de gras et de muscles, donc à vraiment avoir une musculature assez épaisse, tout simplement parce qu'il y a plusieurs années en arrière, ils étaient obligés de prendre beaucoup de gras pour pouvoir supporter, si vous voulez, des longs voyages en pirogue. On retrouvait justement cette anatomie totalement différente dans Lilo et Stitch, et je trouvais ça intéressant qu'on ait justement d'autres types de canons de beauté qui soient représentés dans les princesses Disney. La petite ellipse. Mettez vos masques dehors. Ah, le fouet. Le fouet, et évidemment, il me fait penser à les fouets de Bloodborne. Je sais que ça n'a pas grand-chose à voir, et je doute que ça soit inspiré de Bloodborne. J'imagine qu'il y a une inspiration encore plus profonde. C'était une de mes armes principales sur Bloodborne, au début, en tout cas, la canne fouet. Donc c'est une canne qui se transforme en fouet, et c'est très très classe. Meilleur jeu du monde. Hein. On a toujours un petit familier comme dans chacun des Disney. Pour réponse, on avait un caméléon. Pour la petite sirène, on avait un crabe et un poisson bleu et jaune là. Et là, on a un tatou. Donc, alors, il faut toujours un animal mignon dans les Disney parce que derrière, c'est du merchandising qu'on peut vendre. C'est des peluches, c'est des objets dérivés, c'est voilà, des choses comme ça qui font du chiffre et qui sont un budget, qui sont prévus du coup pour rembourser évidemment les frais qui ont été créés juste pour créer le film, bien évidemment. Vous avez notamment l'histoire des mignons. Les mignons de Moi, Moche et Méchant sont clairement, je pense, les familiers, enfin les espèces de trucs mignons les plus rentables de l'histoire, à mon avis. Et qui, du coup, sont pratiquement plus connus que le film original. Avec un petit nez de koala. Je suis pas sûre que les tatouages ils ont un nez comme ça. Les espèces de petites cornes trop chou. On a beaucoup de caractères design qui se rapprochent d'autres caractères design. Ce type de personnage, par exemple, me fait évidemment penser au stéréotype du méchant qui en fait n'est pas méchant. Et Vladimir collectionne les petites licornes. On l'a notamment dans John Silver avec La planète au trésor. C'est le même type de personnage, assez large, un petit peu de gras quand même. Un œil qui manque, après c'est un pirate, hein, ça semble logique. Il a du coup, ici, ça a été un peu remplacé par une espèce d'œil cyborg, ça change un petit peu. Beaucoup de combats, hein, clairement, beaucoup de combats et d'arts martiaux, à mon avis, ça va être un des trucs qu'on va le plus voir, un petit peu à l'image de ce qu'avait fait Kung Fu Panda. Ça fait vraiment penser au masque thaïlandais avec le Ramayana. Pourquoi je le sais? Parce que j'avais travaillé du coup à l'époque sur une cinématique de jeux vidéo qui s'appelait Melisaka et The Golden quelque chose, le cœur d'or je crois. Et on devait justement résumer le Ramakien en quelques secondes, une minute je crois. Le Ramakien, si vous voulez, c'est une histoire mythologique thaïlandaise. J'imagine que du coup ils ont un petit peu leur même origine avec la mythologie indienne. Et donc ça, c'est le masque de Tosakan, le méchant. Et c'est une représentation qu'on retrouve beaucoup du coup en Thaïlande. C'est vraiment ce type de masque avec voilà, la bouche rouge, la peau verte, les dents un peu avec les canines. On voit très bien ici. C'est vraiment le même style. Alors c'est marrant parce que du coup on retrouve pas du tout les dorures propres à la Thaïlande. Donc on a vraiment un mélange de plein d'inspirations. Hey, Tuk Tuk, concentre-toi. Tuk Tuk. Tuk Tuk, est-ce que ça vient de Thaïlande ou est-ce que ça vient de Vietnam? Nombreux au pays du monde, notamment sous ce nom, en Thaïlande, donc j'avais bien raison, Thaïlande surtout. Depuis que je suis née, je m'entraîne pour devenir gardienne de... Est-ce que c'est BB-8? C'est clairement une inspiration, c'est pas possible autrement. Ça fait vraiment penser à BB-8. En plus avec Tatooine derrière, attendez, y a pas un plan comme ça? C'est clairement inspiré, non? Sachant qu'en plus du coup, Star Wars appartient à Disney maintenant, ça serait pas du tout étonnant que ce soit une petite, un petit clin d'œil. Les peuples sont divisés. Ok, donc les peuples sont divisés, voilà pourquoi en fait on a toutes ces inspirations en fait de différents peuples d'Asie. On avait les arts martiaux avec l'aïkido potentiellement, on avait donc le Vietnam tout à l'heure et le chapeau, l'architecture chinoise et vietnamienne, et aussi du coup les masques thaïlandais. Aujourd'hui, pour rétablir la paix, je dois trouver le dernier dragon. Je vais être honnête avec toi, je suis pas comme qui dirait le meilleur des dragons, mais tu connais le travail de groupe avec ce camarade de classe qui n'en fiche pas une et qui, à l'arrivée, obtient la même note que toi. On est mort.
Le cara du dragon est assez étonnant aussi. Alors moi j'adore les dragons chinois. Les dragons, vous savez, les longs dragons comme ça, avec un corps vraiment élancé. J'aurais bien aimé en fait avoir ce type de character design pour le dragon plutôt que cette espèce de licorne un peu étonnante. Ouais, je la trouve un petit peu trop cartoon en fait. Mais je trouve qu'elle jure un petit peu avec le reste. Et elle est, à mon sens, un peu moins intéressante que Mushu à l'époque en fait. Mushu qui est un design vraiment particulier. Ses grands yeux là qu'on retrouve constamment chez Disney commencent à être un petit peu... un peu épuisant. Elle était quand même plutôt cool dans les couleurs rose et bleu comme ça, puis clairement une queue de sirène, moi ça me parle. Hein. Au niveau de l'animation par contre, ça risque d'être vraiment vraiment intéressant pour ce personnage. Regardez le retard qui se passe au niveau du corps. D'ailleurs, utilisez QuickTime Player. Avec QuickTime Player, vous pouvez regarder vraiment image par image de mémoire. VLC ne le permet pas. Les hanches sont au plus bas. On va avoir un tap au niveau des hanches et ça fait un petit retard ici au niveau du tronc. Le mélange entre sa tête qui tourne qui donne du coup l'impulsion au reste du corps. Comme une vague, vous voyez le mouvement, comment il circule le long de son corps. Du haut, hop, jusqu'en bas. Je m'appelle Raya. Et j'enlève mon masque alors que j'ai pas le droit. Ils ont vraiment fait un travail sur les couleurs, je trouve vraiment vraiment intéressante. Ils ont à chaque fois une dualité dans chacun des plans pratiquement. Là on a le rose de la Golden Hour justement avec le bleu brumeux, donc ce que je vous disais, avec cet aspect un petit peu humide, on a vraiment cette inspiration humide. Là c'est pareil, on a encore une fois l'espèce de brume en bas, donc on est plus dans des bleus clairs et des verts foncés. On a vraiment à chaque fois, pratiquement dans chaque plan, une espèce de brume. Ici, pareil, on a, vous savez, un peu cet aspect qu'a les appareils photo quand il y a de l'humidité sur l'objectif. Donc là, c'est pareil. La lumière, c'est une lumière qui est un peu diffuse. C'est pas juste une lumière bien forte derrière avec un personnage devant en premier plan qui serait totalement en silhouette et totalement noir, en fait. Non, on a vraiment une espèce de lumière un peu diffuse. L'inspiration principale, à mon avis, est clairement la baie d'Along parce qu'on a clairement le même genre de couleur, donc... D'ailleurs, je vous mets petite vidéo de mon voyage en Vietnam. Je peux vous dire que quand on a l'autorisation de sortir, vous ne me voyez plus en France. Hein. Clairement, vous ne me voyez plus en France. On a vraiment ce truc très très badass, hein. Clairement au niveau de la narration, on montre à quel point elle est badass quoi. Donc là on l'a de dos, vraiment en ralenti, shake cam, la caméra bouge maximum pour montrer la panique, mais elle reste stable, elle est au centre, la perspective du coup fuit vers elle, histoire qu'on ne voit qu'elle, et évidemment bon, au niveau des couleurs on a quelque chose de très très jaune pâle, et elle on l'envoie totalement rouge, donc on ne peut pas la manquer, et évidemment elle fonce devant alors que tous les personnages vont en sens inverse. Le plan d'après, on est sur un profil très très au ras du sol, donc un petit peu comme si on observait la scène de loin, un peu cet aspect voyeur, ou peut-être un point de vue d'un rat ou d'un animal qui est très très au sol, et on accentue encore ce côté, elle avance, on voit que son corps est légèrement incliné sur le côté, pendant que les autres personnages vont dans le sens inverse. Là vous allez voir, il va y avoir un raccord, tac, on cut, donc là on a un fond noir, et bam, on zoom. Là on est beaucoup plus rapproché. Encore ce coup de la cape. Elle aime bien enlever sa cape. C'est toujours stylé d'enlever sa cape. Le chapeau. Elle veut en découdre, quoi. Si vous voulez aller encore plus loin, il y a une formation qui s'appelle Illustrer des images qui ont du sens, où clairement c'est cet exercice-là qu'on fait. On décortique en fait les plans pour comprendre pourquoi ils fonctionnent. On apprend toutes les règles du cinéma pour pouvoir les appliquer dans nos œuvres, donc que ça fonctionne en BD, en illustration, en livre pour enfants. On va traiter de tous ces sujets-là. Je vous donne une méthode justement étape par étape pour raconter vos histoires en fait. Raconter une histoire dans une seule image, faire passer des émotions, faire passer un message. On doit suivre des règles, des codes. C'est ce qu'on retrouve ici. Clairement, on utilise les codes tels qu'ils sont. C'est important de les connaître puisque c'est un langage qui est commun avec les autres humains. On voit le niveau de méchanceté d'un méchant, ses sourcils. Si c'est une femme, si ses sourcils sont très fins, vous verrez que c'est un très grand méchant. Je pense notamment, donc, vous avez Ursula dans La Petite Sirène, vous avez Irma, je crois, comment elle s'appelle déjà, dans Cusco.
qui a aussi les sourcils très très fins. Et je pense aussi à la méchante dans Bernard et Bianca, qui a des sourcils encore plus fins. Le fait d'avoir des sourcils fins est représenté comme quelque chose de négatif chez Disney. Donc gardez vos sourcils naturels si vous voulez pas avoir l'air méchante. Si vous avez des trailers, des vidéos, des jeux vidéo, des directions artistiques, n'hésitez surtout pas à me le mettre dans les commentaires de cette vidéo directement, comme ça je pourrai faire une autre type de vidéo dans ce genre-là. C'est toujours plus intéressant d'analyser un peu les choses pour essayer de se l'approprier plutôt que de regarder un peu de manière passive les choses. Si vous êtes inscrit sur l'Académie du Carnet Digital, vous savez que ma priorité du moment c'est l'anatomie. Je suis en train de travailler sur la formation sur l'anatomie, c'est un peu plus long que prévu, mais je pense que clairement que ça va vous plaire et surtout ça va vous aider. Dans tous les cas, moi je vous dis à la prochaine fois sur lecarnetdigital.com pour un article, une vidéo ou un podcast, ou aussi sur l'Académie directement du Carnet Digital. Allez, ciao!